Déjà, juste pour les fêtes de la semaine dernière, le 24 décembre, on a perdu beaucoup de clients. Ils sont quand même devenus frileux maintenant. Pour le 31, c'est difficile aussi. Et pour la jauge, bon, nous, on n'a pas une énorme capacité. On a une terrasse sur le côté, mais on n'a pas une énorme capacité. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais après, pour le couvre-feu, là, ça va nous casser un petit peu l'activité parce qu'on a quand même des clients qui sortent beaucoup le vendredi soir, le samedi soir, qui aiment bien prendre leur temps. Et là, pour le coup, 21 h, le week-end, ça va être difficile et ça va nous amputer sur ce qu'on gagne.